Est-ce la fin du crime parfait? Bienvenue dans Au bout de l'enquête. C'est une affaire qui a stupéfait la France entière, qui a même inspiré L'Adversaire, un livre, puis un film. C'est l'histoire d'un homme, Jean-Claude Roman, qui a fait de sa vie un hallucinant tissu de mensonges et qui a décidé d'en finir de la pire des manières. Une trajectoire hors norme que nous décrypterons avec le professeur de criminologie, Alain Bauer, et qui commence le dimanche 10 janvier 1993. Une maison brûle dans un village proche de la frontière suisse. Affaire Jean-Claude Roman, Mensonge à mort, c'est un film de Charlotte Leloup. Nous sommes dans la nuit du 10 janvier 1993, lorsqu'on reçoit l'appel du centre de traitement de l'alerte du 18. Je me rappelle, c'est qu'à 4h du matin, il pleuvait un peu. Et les éboueurs qui font leur tournée découvrent de la fumée qui sort d'une maison, la maison de la famille Roman. On fait tout de suite ce qu'on appelle une reconnaissance. Et là, on constate les flammes sortent effectivement du toit, donc le feu s'est déjà développé. Et on n'a aucun accès, tous les volets sont fermés et la porte est fermée à clé. Je me souviens avoir été réveillée par les bruits des pompiers qui branchaient sur la colonne d'eau qui se trouve à l'angle de la rue. Et à ce moment-là, je me suis levée et donc j'ai vu la maison Roman en feu. Le toit était vraiment brûlé de façon importante. Moi, je me trouve à ce moment derrière la maison et je vois qu'il y a un volet qui s'entrebâille au premier étage. On va récupérer une petite échelle puisque c'est au premier étage. Je suis le premier à pénétrer dans la maison. Tout est noir, on a des lampes, hein, bien sûr. Et là, dans la pièce où on pénètre, on constate immédiatement qu'il y a un homme qui respire, qui bouge un petit peu, et une femme à son côté qui est complètement inanimée. Il y a une partie du visage presque qui est écrasée. Pour nous, elle a reçu une partie du toit et sur la tête, et ce qui a dû causer son décès, puisqu'elle n'a aucun signe de vie apparent. La chose qu'on fait immédiatement, c'est d'évacuer l'homme, puisqu'il donne des signes de vie, de sortir de cette zone dangereuse. J'ai vu Monsieur Roman évacué et il est sorti sur un brancard, inanimé. Et on continue l'exploration de cet étage. Il y a deux autres chambres dans lesquelles on pénètre. Et là, il y a deux enfants, un dans chaque chambre, une fille et un garçon. Ils cherchent leur peau rapidement, on ne trouve rien. Pour nous, ils ont dû être asphyxiés par les fumées, les gaz. C'est toujours très difficile d'être confronté à des corps d'enfants qui sont décédés. Il y avait des voisins qui se sont présentés, ils nous ont dit « Ah, mais lui, c'est un grand médecin de l'OMS, elle est pharmacienne, elle travaille à l'occasion à la pharmacie de Prévecin. » C'était une belle femme avec une présence, avec un charisme. Les enfants étaient gentils, bien élevés. C'était effectivement une famille qu'on trouvait normale. Lui, c'était Jean-Claude Roman, sa femme Florence et les enfants, c'était Caroline et Antoine. Alors, je vais être prévenu du drame. Le premier dans la famille, une sidération parce que vous avez du mal à le percevoir. On les avait vus 10 jours avant, donc c'est un peu violent le matin comme ça, au saut du lit. Et avec le sentiment de me dire aussi, le pauvre Jean-Claude, c'est super qu'il ne soit pas mort, mais quand il va se réveiller, ça va être très dur de lui annoncer la nouvelle. Pour nous, c'était un simple accident. C'est un feu qui s'est déclaré pendant la nuit et qui a embrasé la maison. Et ils n'ont pas eu le temps pour nous de se sauver. Ils ont été asphyxiés. Et juste le père semble avoir eu un peu plus de chance.
Le regard qu'on porte, c'est forcément un regard déjà policier. On est à la recherche d'éléments techniques, d'indices, enfin, etc. Tout ce que je peux restituer, c'est l'ambiance de la maison, qui est l'ambiance d'une maison bourgeoise, à la sortie des fêtes de Noël, avec un sapin de Noël, des décorations partout. Je me souviens qu'il y avait beaucoup de dessins d'enfants. Vous voyez, des dessins « Je t'aime, papa ». C'est vraiment une ambiance de famille, la maison du bonheur. Le médecin des pompiers, dans l'ambulance, on examine les corps des enfants. Et là, il remarque des impacts de balles de petit calibre dans le dos des enfants. Ça met en route un processus d'enquête qui n'a plus rien à voir avec un accident domestique. Les gendarmes, eux, prennent la décision, ce qui est la procédure normale, d'avertir les parents de Jean-Claude Roman. Les gendarmes, en arrivant, trouvent la maison fermée, ce qui n'est pas habituel. Personne ne répond. Et là, ils découvrent les corps des deux parents, donc de Jean-Claude Roman, et de leur chien, tués par balle, d'un calibre qui correspond à peu près à celui qui a été utilisé sur les enfants. Tout ça, ça crie qu'ils ont été tués évidemment par la même personne, sans doute par la même arme. La découverte des parents, c'est vraiment, en plus de ce qu'on a constaté dans la maison, quelque chose qui nous dit « Jean-Claude Roman, il y a quelque chose qui ne va pas ».